Voici l'heure de l'actualité sur la radio-télévision. Jésus vous aime, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, bonne nouvelle pour le secteur énergétique au Togo. Fin des perturbations répétées dans la fourniture d'électricité. La compagnie énergie électrique suspend son plan de rationnement. Nous y reviendrons. À l'international, publication conjointe par la Chine et 26 pays africains d'un plan d'action visant l'accélération de leur coopération numérique. Les précisions à suivre dans ce journal. Voici pour les titres, tout de suite, le développement. Énergie à l'entame de ce journal, comme annoncé dans les titres. Bonne nouvelle pour le secteur de l'énergie au Togo. Fin des perturbations répétées dans la fourniture d'électricité. La compagnie énergie électrique suspend son plan de rationnement. Après plusieurs mois marqués par la crise énergétique, la fourniture du courant revient au fur et à mesure à la normale. La compagnie énergie électrique a annoncé samedi dernier la suspension de la publication du plan de rationnement suite à l'amélioration de l'approvisionnement des fournisseurs extérieurs. Cette amélioration dans la fourniture énergétique conclut un épisode jugé exceptionnel par la ministre chargée de l'énergie, Mila Asiablé. L'église des Assemblées de Dieu de Zopomaré a procédé dimanche dernier à l'ouverture d'une église annexe. Une ouverture qui s'inscrit dans le cadre de la recommandation divine dans l'évangile selon Matthieu le chapitre 28, le verset 19. Reportage. L'église des Assemblées de Dieu de Zopomaré a procédé à l'ouverture d'une église annexe à Bézéchan dimanche dernier. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre de la recommandation divine dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, verset 19. L'œuvre de l'évangélisation est avant tout une œuvre du Seigneur selon la recommandation dans Matthieu 28 qui nous dit d'aller et prêcher la bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples. Donc c'est par obéissance à cette recommandation que nous avons accepté volontiers organiser cette campagne-là ici en vue d'ouvrir une annexe, une église annexe pour l'église de Zopomaré. Il faut reconnaître que l'œuvre n'est pas facile, mais le Seigneur aidant, nous avons pu mener l'œuvre à bout et nous nous réjouissons pour les âmes qui ont pu donner leur vie au Seigneur. Le culte a mis en lumière la protection divine accordée à Noé et à sa famille face à la destruction du déluge, ce qui rappelle que Dieu veille sur ceux qui gardent leur foi en lui. La prédication a su souligner les leçons d'obéissance, de courage et de confiance en Dieu que nous pouvons tirer de l'exemple de Noé, une belle méditation pour affronter les défis de notre époque. Ce samedi était la journée d'action de grâce au centre de prière La Foi en Dieu. Les fidèles avaient d'une seule voix remercié le Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie. Occasion pour l'orateur de les galvaniser à travers le thème « Ce n'est pas fini pour toi ». Les détails avec notre envoyé spécial sur les lieux, Mabel Fiagno. Journée d'action de grâce au centre de prière Foi en Dieu. Au menu, des chants, danses, louanges pour la gloire du Seigneur. Ces fidèles, présents à cette séance, veulent à travers ces diverses activités témoigner leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, comme demandé par lui-même. La grâce est une situation que Dieu lui-même a organisée pour son peuple. Et Dieu veut recevoir la louange et la joie de son peuple. Alors s'il nous protège, il nous bénit, il fait des choses pour nous, nous devons trouver un jour pour le rendre grâce, pour lui présenter nos actions de grâce. Donc l'importance c'est d'être reconnaissant à Dieu, de louer Dieu et de le bénir pour ses bienfaits. Au lieu de continuer par demander toujours, il faut être reconnaissant en louant le Seigneur. Nous avons mis en ami les pays où nous vivons, nous avons affirmé nous vivons, les pays où nous bavons, où nous balouons. Vraiment, il y a des gens qui regardent nous bien à d'acquérir. Ça a peu de dos, mais nous avons gagné. Parmi nos patates, nous avons des gens qui nous
maule wo dona mo maule dia mo le feme maule dia mo le hahage do dolelo enya jona me kaku hi menelewa ma ne etin boya kakawo afoka la foi en Dieu gbedura pea jiponto le wo pa me nveve na mo wo nu a ejene ape dada na me a wo nu ele da pe ne a eji jone eye egba wo na gan owu ene mi po bible me nto ha ame gede wo a o dana pe ne mawu tona nu kwa si o sikanu o yo dana pe e won etutu mi o ha be na pe do rape la foi en Dieu e yi ke o du ani e pe ape ve ple bla ve a yo vwenu ba mi jenu o gome le pe ape ve wi a se ke ame e ye o va vwenu le pebla aspeve pebla veame eye apoto ale zo mo kumi mawule wonu gan o enami la mesin miame yo ko jare do agbo eye ameyo bana dono gede o ole dia da se enu gan o le jon to kuno o le senu e ambere ti tuto o le ponu gba fa o le zon eye ame gede o yo me dogo yesu o le tuwajia o ba dona go yesu o cho ma gbe nana nene menu yo wo me maule a mi do la de mi ape lon lo a fieto ape dada me. Pour l'occasion, ces fidèles ont été entretenus sur le thème « C'est pas encore fini pour toi », de quoi galvaniser ses participants à se confier à Dieu, peu importe les situations. Parole bien reçue, ces fidèles rendent témoignage. Dans le lait qu'on va te voir, quand c'est là, non, non. Et je vois, tu vois, non, non, le conduit. Vois que me va tout à dire, tout le monde va me nouveau venir, je suis au cancer, je dois non. Et je suis à nous, je suis à ma tête pour moi, et wabi. Et yon, va que me va tout à dire, je dois dire, et je suis venu, cancer à boule la mona. A bien coup, à nous, à trois, je te peux, pépé. Et je me trouve sous d'or là, le noir dro, à me dégo, et ben, mais il y a un coracola. Ta main ou le coup d'eau, ma veut dire mes tibles mao, egbe, egbotok banye mao. Nan on vient le courrier me tombe, dans le lea, et y a toi, nous qu'est j'aurais mao, potok banye mao, le la fin, Dieu veut te dire, va. Million de cas, le divo foué, me donne pas don à pomo, mais à coup tiga, paio, qu'on va te faire, on que camo, ou à toi, mao, tout fouya. Mao do dolao, zaria me de la vabe. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Éphésiens 5, le verset 20 à 21. De la santé alerte. Le pays a récemment enregistré un nouveau cas de choléra, celui d'un homme de 22 ans vivant dans la préfecture de Vaud, désormais hors de danger. Dans une note récente datant du 6 août 2024, le ministre de la Santé, Mi Jiao, a annoncé le début des investigations pour identifier d'éventuels d'autres cas de cette maladie diarrhéique grave. Dans cette optique, les autorités incitent la population à adopter des mesures préventive, notamment la désinfection des eaux et la surveillance de la cuisson des aliments afin de réduire les risques d'infection. Hors de nos frontières à présent, la Chine et 26 pays africains ont publié conjointement lundi à Beijing un plan d'action censé permettre une accélération de leur coopération économique numérique. Cette initiative va renforcer les partenariats en matière de politique numérique, d'infrastructures, d'innovation, de transformation numérique, de sécurité, de formation de moins 1 000 professionnels au cours des trois prochaines années.
Autre actualité internationale, en République démocratique du Congo, les habitants d'un village ont trouvé la mort dans une attaque des ADF au Nord Kivu. Ce lundi, un responsable local a déclaré qu'au moins 12 personnes ont été tuées par des militants alliés au groupe islamique dans l'est du pays, dans le village de Mukonia. L'est de la RDC en proie à la violence armée depuis des décennies. Plus de 120 groupes se battent pour le pouvoir, la terre, les précieuses ressources minérales. Fin de ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RTJVA.